décembre 90, moins 10 milliards de francs. Les chiffres de l'exercice total de l'année sont également négatifs. 50 milliards de déficit en 90 contre 44 milliards en 89. Voici le dernier modèle des usines Citroën. La ZX sera lancée sur le marché dès le 16 mars prochain. Elle s'intègre dans la catégorie du milieu de gamme, un créneau sur lequel Citroën était jusqu'à présent absent. Deuxième journée du championnat du monde de ski, une petite déception pour Franck Picard. Il croyait à la médaille d'or, il a dû se contenter du bronze. Tous les favoris ont été bousculés par les jeunes concurrents qui se sont retrouvés sur les plus hautes marches du podium. Didier Balaise. Franck Picard, heureux, il jubile. Il vient de reléguer les hommes en forme du moment à plusieurs centièmes de seconde. Il prend momentanément la première place devant Hegel et Gérard Dely. À 26 ans, la locomotive du ski français tient à confirmer son titre olympique de Calgary. Bien dans sa tête, bien sur ses skis, il veut frapper un grand coup. Il réalise 1,28,55, il sera médaille de bronze. En effet, le français doit s'incliner face à André Amott, un Norvégien de 19 ans. Mais surtout, la surprise de la journée vient d'un jeune Autrichien de 21 ans, Stefan Eberharter. Inconnu du grand public, il n'a jamais gagné d'épreuve de Coupe du Monde. Seulement aujourd'hui, galvanisé par ses supporters, sur une piste qu'il connaît bien puisqu'il s'entraîne régulièrement à Interglemm, Eberharter effectue un parcours proche de la perfection. Une course dans laquelle il prend tous les risques et ça paye, puisqu'au bout du chousse se trouve la médaille d'or. Je vous rappelle l'information de la soirée, Israël ripostera à l'attaque irakienne. George Bush aurait donné son feu vert, c'est ce que nous a indiqué au cours de ce journal notre envoyé spécial à Jérusalem, Marc Mémon. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h15, soir 3, présenté par Marc Ottemont. Et dans quelques instants, la météo de Florence Klein. Bonsoir, à demain 19h. Bonsoir.